bienvenue sur le plateau de Casse-tête pour un cerveau. Voici l'épreuve finale qui a pour nom « ça passe ou ça casse ». Le vainqueur sera le premier à donner la réponse correcte. Êtes-vous prêt? Voici la question. Comment s'appelle l'isotope radioactif dont la fusion nucléaire engendre des explosions atomiques? Ah oui, bien sûr, je vais le dire, c'est facile. La réponse est... Voyons, la réponse est... Oh, le temps imparti est écoulé, professeur. Margie? Eh bien, c'est évidemment l'uranium-235. Exact! Pour la troisième semaine consécutive, vous gagnez le grand prix de casse-tête pour un cerveau! Oui! Voyons, qui d'entre vous peut me citer les quatre ères géologiques de la Terre? Sam? On les appelle le précambrien, le paléozoïque, le mésozoïque et le cénozoïque. Exact. Excellent, Sam. Waouh, t'as une de ces mémoires? Moi, j'arrive pas à retenir ces noms étranges, ça me déclenche des maux de tête. Moi non, il me suffit de les lire et je les enregistre. Je n'ai pas de mérite, en fait, je trouve ça facile. Facile? Eh ben, t'en as de la chance. Tu dînes avec moi demain soir au Planète Sushi? Tu me donneras des trucs pour m'aider à mieux mémoriser? Bien sûr, avec plaisir, Zach. Dépêche, Sam, si tu veux pas manquer ton rendez-vous avec la célébrité, faut y aller. Ah, c'est vrai, j'oubliais casse-tête pour un cerveau. Eh ben moi non, je veux que ma meilleure amie affronte les caméras avec une super coiffure et un super maquillage. Oh. C'est aujourd'hui que Sam va remporter le grand prix devant une foule admirative. Il faut que j'y aille, excuse-moi. C'est décevant, le plateau semblait beaucoup plus grand à la télévision. C'est ça la magie d'Hollywood, ma chère. Wink Wizard Day. En parlant de magie, c'est fou comme vous avez l'air vrai quand on vous approche. Époustouflant, hein? Mais assez parlé de moi, je dois accueillir Sam dans mon émission. Prête à affronter Margie pour lui voler la vedette? Oui, prête. Pas de saint en ferraille, t'as compris, idiot? C'est ça qu'on traite la championne en titre? Y'a que 85% de soie dans ce chemisier, Winky! C'est une honte! Oui, on va arranger ça tout de suite. Du calme, Margie. Bon. Ça va commencer. Alors, bonne chance. Il va t'en falloir. Elle est adorable, ta concurrente. Pour 100 points, dites-moi. Dites-moi, quel est le nom de la célébrité qui a inventé le sandwich? Oui, évidemment, c'est... Ce doit être... Margie? Je crois qu'il s'agit du conte sandwich. Bravo! Bonne réponse! Ça, je le sais! Il s'agit de... C'est l'équinoxe de printemps. Bravo! Encore une bonne réponse! Les flocons d'avoine. Passons maintenant à l'épreuve « ça passe ou ça casse ». Voici la question. Quels sont les noms des quatre aires géologiques de la Terre? C'est trop facile, j'ai répondu à cette question aujourd'hui en cours de science. Celle-là, elle est gagnée d'avance. Ça c'est sûr, en science, elle est imbattable en plus. Je le sais, c'est... la première s'appelle... Margie? Alors, on a premièrement le précambrien, puis vient le paléozoïque. Ensuite, la troisième ère, c'est... je l'ai sur le bout de la langue. C'était une sensation étrange. Quand Wink posait la question, j'avais la réponse et puis c'était comme si ma tête se vidait quand j'appuyais sur ce champignon. Tu perdais tes moyens à cause du trac? Oui, ou peut-être que le champignon pompait toute ta cervelle. Très marrant. Quand vous aurez fini de vous moquer de moi, je pourrai faire ma retouche maquillage du milieu de la matinée. Il me semble qu'elle a un petit coup de fatigue. De fatigue? Tu veux dire qu'elle déraille? Empêchons-la de se ridiculiser. Pourquoi vous m'empêchez d'entrer? Tu peux utiliser les toilettes des garçons, mais on aura essayé de t'éviter cette humiliation.
Je suis bête. Je devais avoir la tête ailleurs. Oublions le maquillage, prenons nos livres et filons en classe. Eh ben alors, ouvre-toi, stupide casier. Qu'est-ce qui se passe? T'as oublié ta combinaison? Moi, oublier ma combinaison? Non, mais tu me prends pour une idiote, ma très chère Clovis. Clovis? Sam, enfin, elle s'appelle Clover. Ben, c'est bien ce que j'ai dit, Allegra. C'était une blague quand j'ai parlé de pompage de cerveau, arrête. Oh. Sam, t'es sûre que ça va? Oui, oui, ça va. Est-ce que quelqu'un peut me dire où trouver un milkshake dans ce centre commercial? D'accord, on vient de passer de l'incident rigolo à un cas sérieux. Solution... Allô, Jerry? Bonjour les filles, vous avez un petit problème? Le problème c'est Sam. Depuis qu'elle a participé à Casse-tête pour un cerveau, elle a un sérieux problème de méninge. Elle oublie un tas de choses simples et elle fait des trucs étranges. Elle a même failli entrer dans les toilettes des garçons, vous imaginez? Mais Clovis et Allegra m'ont sauvée. Je vais la faire examiner au plus vite par des spécialistes du Whoop. Vous devriez aller rendre visite aux anciens concurrents. Essayez de savoir s'il y a parmi eux d'autres cas d'amnésie. On y va, Jerry. Une seconde, attendez que je vous remette vos gadgets. Au menu, lunettes de soleil à rayon X, rouge à lèvres laser, mini-bombe fumigène et version améliorée des jetbots à propulsion nucléaire. Qu'est-ce qu'elle a d'amélioré, cette version? Faisons un test, c'est ça. On y est. C'est la maison du professeur Auguste Claiborne. Si on en croit le fichier, il n'est pas retourné travailler depuis son passage dans l'émission. Ça fait un peu long s'il s'amuse avec son prix de consolation depuis 2 semaines. Que puis-je pour vous? Nous voudrions voir le professeur. Nous sommes ses élèves. Vous devriez savoir que le professeur est souffrant. Oh ben on en a pour 1 minute. On veut juste lui dire bonjour. Bien, vous pouvez entrer si ça ne dure qu'une minute. On dirait que le professeur a oublié de s'habiller ce matin. Comme tous les matins, depuis qu'il a participé à cette émission, il ne se souvient plus de rien. Oh, bonjour mademoiselle, oh quel dommage. J'aimerais qu'on papote, mais il est l'heure d'aller au lit. Je crois que vous devriez vous en aller maintenant. Merci d'être passé. Bon, ça s'annonce plutôt mal, non? Pour le professeur ou pour Sam? Même chose, prévenons Jerry immédiatement. Test cérébral numéro 1. Mémoire visuelle à court terme. Du nouveau, les filles? On a rendu visite à un ancien concurrent du jeu. Ce grand professeur d'université jouait avec un tricycle, c'est grave. Il a voulu se coucher dans une horloge. Oh, misère. Et comment va Sam? Sam? Eh bien, elle est... Oh. Oh non, c'est pas vrai. Jerry, qu'est-ce qui se passe? Rien d'important. Mais vous devriez enquêter au plus vite sur ce jeu télévisé. Jolie lumière. Waouh. Wow. Ah, te voilà, ma prof particulière. Oh. On se connaît? Bah oui, je suis Isaac, tu me reconnais pas? Le cours de science, t'as pas oublié? Oh. Ah, d'accord, je vois, tu plaisantes. Je pense qu'on devrait peut-être commander tout de suite. Tu as vraiment l'air affamé, Sam. Et voici le plateau des casse-têtes pour un cerveau, où la serveuse que tout le monde adore, Margie, va tenter demain de gagner $1 million en remportant le combat des génies. Maintenant, si vous voulez me suivre, nous passons au plateau des westerns. Oh. On
a 10 minutes avant la prochaine visite. Ouais, au travail. On devrait commencer par le podium de Wink. On dirait que ce podium n'est pas qu'un simple support pour ses fiches. Mesdames et messieurs, voici votre jeu préféré. Casse-tête pour un cerveau. Tiens, c'est bizarre. T'as vu ça? J'ai vu quoi? Des images de cerveau. À quoi ça sert? Le rouge se vide dans le bleu. Alex, est-ce que tu penses la même chose que moi? Oh, que ces capsules arrivent à pomper l'intelligence? Exactement. Notre Sam s'est fait vider le cerveau. J'en étais sûre, Wink a un sourire trop éclatant pour être honnête. Hé, vous! Oh? Qu'est-ce que vous faites là? Oh. On dirait que la visite suivante est en avance. Par où on sort? Oui. Par la voie aérienne. On est pressé, excusez-nous. On commence par la tectonique des plaques, c'est vachement balèze. Sam, t'es sûr que ça va? Sharma, vous voilà merveilleux. Hé, lâchez-moi, vieille pantoufle! Laissez cette demoiselle tranquille, elle ne vous connaît pas, vieux fou. Je n'ai pas de malentendu, je suis son grand-père. Elle m'appelle vieille pantoufle car elle est taquine. Elle m'a demandé de passer la prendre. Et tu es prête, mon poussin? J'espérais ne pas en venir à cette extrémité. Une poule à trois têtes debout sur un âne. Ah, quoi? L'enquête progresse? Oui, Wink est un type malhonnête. Expliquez-vous. Sam a subi un pompage de cerveau. Les capsules absorbent l'intelligence des participants et leur font oublier les réponses. Vous savez ce que devient l'intelligence aspirée? Des vigiles ont débarqué avant qu'on l'ait découvert. Il faut qu'on y retourne. Vous avez fait examiner Sam? Sam? Non, elle va parfaitement bien. C'est la grande forme. Cet après-midi, elle fait une jolie promenade. Ouvrons une capsule pour voir ce qu'elle cache. Pourvu qu'elle contienne le cerveau de Sam. Accroche-toi, je crois qu'on est parti pour un tour. Waouh, bah ça alors, c'est ce que j'appelle des total coulisses. Des total coulisses, tu parles, c'est un repère pour criminels, oui? Aïe, mais vous me faites mal, non? C'est la voix de Marie. Désolée, Wink, pas question que tu persistes à vider les cerveaux comme ça. Espionne à la rescousse! Hé! Non mais qu'est-ce qui se passe là? J'ai droit à encore 15 minutes de massage! Wink! On est mal! Bienvenue dans la cabine de Wink et Margie. Ce funeste aquarium est totalement insonorisé. Wink et Margie? Alors elle aussi, elle est dans le coup? Vous comprenez vite. T'es la seule à ne pas avoir le cerveau vide, mais tu dois te calmer sur le mascara, parce que là, t'en as trop, ma chérie. Un peu de respect pour vos aînés, surtout pour Margie, qui a déjà un QI de 192. Oh, déjà? Et il augmentera encore quand vous lui donnerez celui des autres. C'est bien ce que vous faites, non? Malheureusement, l'intelligence ne se vend pas à tous les coins de rue, comme le mascara. Oh, c'est horrible de prendre des innocents pour les abrutir. C'est monstrueux de faire ça. Monstrueux? Oui, peut-être. Mais Wink et moi avons compris qu'il fallait tricher un peu pour avoir la fortune et la célébrité. Et le pouvoir aussi. Ce soir même, après le combat des génies, Margie aura la puissance cérébrale d'un millier de super-ordinateurs. Nous n'aurons plus de limites. Oui, nous serons maîtres de toutes les télévisions. Et ensuite, maîtres de la planète. Et nous aurons en poche 10 millions de dollars. Bien sûr, et ce n'est pas négligeable. Oh,
c'est dégoûtant, comme si on n'avait pas subi assez de torture. Ah, le jeu va commencer. Malheureusement, vous n'aurez pas assez d'oxygène dans cette cabine pour survivre jusqu'à la première coupure pub. L'épreuve suivante s'intitule « Diviser pour régner ». Je pose la division et vous me communiquez le résultat pour remporter cette manche. Première opération! Quel chiffre trouve-t-on quand on divise l'année d'invention du fusil à canonrier par 10 puissance moins 4? $15 200 000, je crois. Bravo, Margie! Vous avez un talent incroyable. Alors, prête pour le son et lumière? C'est génial! Tu sors ça d'où? C'est un truc de squash. Je te montrerai. Maintenant, filons d'ici. Bien, abordons la discipline sciences étranges. Les chromosomes sont aux phéromones, ce que la pizza est aux... Désolé, Wink. Le chronomètre est bloqué. Mais fais quelque chose, Winky. Attention. Faudra demander à Jerry qu'il nous offre des micros comme ça, c'est génial. Bon, il est temps que Wink rende l'antenne. Il faut les rattraper. Margie a gardé les capacités intellectuelles de Sam sous son abominable choucroute. Séquence poursuite, ça tourne. Échapper. Vite, les jetpots! Les réacteurs sont trop puissants! Ansel, c'est parti, tu viens? Passagère clandestine. Bon, si le rôle vous tente, on peut faire un essai. On verra ensuite. Oh, c'est pas du tout comme ça que j'imaginais la visite guidée des studios. On lâche tout, on atterrit en jetpot. Si on fait ça, on prive définitivement Sam de son intelligence. Tricheur descendu en flammes. Merci d'avoir participé au jeu, mais malheureusement, vous êtes les grands perdants de cette finale. Vous êtes sûr que ça va marcher? Oui, certain. En intervertissant les capsules, le cerveau de Margie va être pompé au profit de celui de Sam. Clover? Alex? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, elle a dit Clover! On a retrouvé notre meilleure amie! Oh, ma tête! Il faut que je m'allonge. Vous allez avoir un maximum de temps pour vous reposer en prison. Mais auparavant, vous allez rendre visite aux anciens joueurs. Oh,
l'heure de l'explication a sonné. Salut, Zach. Désolée pour mon attitude au Planète Sushi. Oh, oublie, c'est de l'histoire ancienne. Et j'ai un nouveau prof très enthousiaste. Oh, tu m'as remplacé? Oui, avantageusement d'ailleurs. Ce qu'il faut à Zach, c'est un esprit parfaitement aiguisé. Une personne qui sache faire la différence entre les torchons et les serviettes. Alors va réviser ton alphabet. Salut. Un esprit parfaitement aiguisé? Tu parles, celui de Mandy est aussi tranchant qu'une lime à ongles. Oh, elle peut le garder, son Zach. Oh. Qui voudrait d'un garçon qui est tombé dans ce panneau de Jerry? Une poulette tête debout sur un âne, tiens, regarde! J'ai tout entendu, les filles.